Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau à la Savonnerie pour une nouvelle saison de Une semaine à la Savonnerie. Alors, même décor, mais il s'est passé un an et demi depuis le dernier vlog, donc il s'en est passé du temps. Le décor est toujours le même, même si on commence à être vraiment très 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 à l'étroit dans cette petite Savonnerie, mais bon. Pour le moment, on fait avec. Quelques petites choses ont changé, forcément, les quantités, enfin voilà, tout ça, l'organisation a un petit peu changé. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo bilan, je pense, 2021, puisque j'aurai des choses certainement à vous dire. Et puis, certainement aussi, par rapport au projet prévu pour 2022. Mais là, c'est pas le sujet, je vous emmène avec moi pour toute cette semaine. Nous sommes le lundi 13 décembre, on y va. Alors toute cette semaine, on va commencer par libérer pas mal de produits. Alors on va pas tout étiqueter, ranger aujourd'hui évidemment parce que ça prend quand même de nombreuses heures. Mais j'ai moi libéré les shampoings vendredi, donc il va rester à les emballer et à les ranger. Et puis on a là donc de l'eau de savon qu'il va falloir libérer aujourd'hui parce que j'ai besoin des petits savons pour refaire des coffrets. Dernière ligne droite avant Noël et je n'ai plus du tout de coffret découverte. Et donc là j'ai du savon Lotus Bleu et du savon Tropical juste en dessous qu'on va libérer. J'ai maintenant une apprentie avec moi qui s'appelle Louane depuis 2 mois maintenant, qui vient 15 jours par... enfin 2 semaines par mois. Donc ça m'aide évidemment beaucoup pour avancer notamment sur ce genre de choses. Donc on va libérer, on va refaire des coffrets. Il y a aussi ces 4 autres lots qu'on va libérer parce que je les sors tout d'un coup, comme ça je sais tout ce qu'il faut libérer. On fait tous les tests pH d'un coup et puis comme ça après on fait les pesées, les étiquetages au fur et à mesure dès qu'on a un moment. Et aujourd'hui aussi, du coup en production, on va faire du baume fouetté. Alors moi je vais continuer à préparer les commandes du week-end pendant que Louane commence à préparer en fait le baume fouetté. Elle est en train de peser tous les ingrédients, de mettre à fondre les beurres, etc. Et moi j'ai encore, j'ai pas compté, mais peut-être une petite dizaine de commandes à préparer de ce week-end. Et j'en avais déjà préparé un petit paquet. C'est Noël donc c'est le moment. Hein. Et donc là il reste une semaine jusqu'au 19 décembre pour être livré à temps et une journée entière de vente à la Savonnerie samedi 18. Donc voilà, je m'attaque aux commandes. De préparer toute la libération des lots de savon que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là c'est les tests pH en fait, et puis en attendant que le savon fonde dans l'eau, elle commence à peser, à compter, étiqueter, enfin préparer les étiquettes pour la suite.
comme je vous disais, de toute façon, on va pas tout étiqueter aujourd'hui, on va aller dans l'ordre des urgences. On est mardi et aujourd'hui on refabrique deux savons Mon Ange. Donc Louane est en train de commencer à les peser pendant que moi je regarde les moules, je vais préparer les moules parce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps donc de chez Bulle et Maille une commande de deux nouveaux moules que je vous montre tout de suite. Donc c'est deux moules de la même taille que mes autres moules en bois, sauf que ceux-ci sont en PEHD. Donc en plastique très dur et très résistant. Et donc ceci se chemise avec des feuilles de silicone. Donc je vais les préparer. Et puis voilà, on vous montre quelques images de fabrication. Il est 13h30 et puis je suis en train de refaire quelques coffrets découvertes. C'est des coffrets de 5 savons. Je vais vous montrer. Qui rencontrent beaucoup de succès. C'est un nouveau coffret que je fais. Et donc, il y a 5 savons. Donc un charbon, un tropical, un crème d'avoine, un néroli et un lotus bleu. Voilà. C'est un très joli coffret à fermeture aimantée. C'est très sympa, imitation cuir un petit peu la surface. Donc voilà, là je vais en refaire 8. Je peux en refaire que 8 puisque je n'ai pas plus de savon pour le moment là. Du coup les crèmes d'avoine et les néroli, c'est le dernier que j'ai là. En ce format là, donc après il faudra attendre un petit peu pour en avoir.
On est mercredi 15, hier soir j'ai fait un peu plus de 2 heures de montage pour monter la première partie de ce vlog que vous venez de voir. J'aime bien le commencer à mi-chemin dans la semaine parce que sinon le vendredi en fait j'arrive pas à le sortir le vendredi soir puisque ça me demande trop d'heures de montage, sans compter du coup l'exportation sur YouTube et tout ça. Donc voilà, ce matin je passe un petit peu de temps à mon bureau parce que j'ai des petites choses à valider, il y a une session CPF pro de formation qui commence ce matin, donc j'aime bien être disponible si il y a des gens qui ont des questions. Et puis je vais valider là les cadeaux clients pour 2022, donc j'ai choisi de nouveaux cadeaux clients pour nos clients fidèles à qui j'aime bien glisser des petits cadeaux avec la commande. Donc ça peut pas être à chaque fois parce que c'est vrai que je n'ai pas toujours quelque chose à mettre, mais j'aime bien remercier les gens qui utilisent les produits régulièrement et qui nous font confiance. J'adore ça et puis j'aime bien, moi-même j'aime bien avoir des petites surprises quand j'ouvre mes colis, je trouve que c'est sympa. Voilà, et puis 2-3 petites choses à faire à mon bureau, des mails, des choses comme ça. Louane est en train de faire des étiquettes, des étiquetages de savon, il y a encore plusieurs lots à étiqueter, et puis je vais descendre bientôt dans quelques minutes pour qu'on démoule ensemble les savons mon ange. Alors ça y est, je suis au labo, Louane est en train de nous faire des belles étiquettes sur les savons Neroli. Et j'ai découvert les savons d'hier, mais ils sont encore chauds. Ils font encore... Là, je les ai à 34 tout à l'heure, là, il est descendu déjà à 32, donc ça va. Ça, c'est le deuxième. Donc ça refroidit quand même assez vite, mais du coup, on va leur laisser une petite demi-heure, une heure en plus pour refroidir tranquillement. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer les commandes du jour. J'en ai 11 à préparer. Donc je vais aller de l'autre côté et je vais préparer les commandes ici. Thank you.
Alors là, Loane est en train de commencer à préparer les beurres et les huiles pour les deux savons Lotus Bleu qu'on va faire demain matin. Comme ça prend beaucoup de temps en fait de préparer tous les ingrédients, de les peser, etc. Du coup, on prend un petit peu d'avance pour pouvoir faire les deux savons demain dans la matinée. Et comme ça, du coup, on pourra les démouler tous les deux vendredi matin. On est jeudi, je vous parle depuis mon bureau parce que Loane est déjà descendue. Elle est en train de préparer le mélange de lessive de soude et du coup, je ne pourrais pas vous parler parce que je vais devoir mettre le masque respiratoire pour descendre. Aujourd'hui, on fait deux savons Lotus Bleu, dont un qui sera une édition limitée, donc toujours la même recette comme pour les autres éditions limitées, sauf que je vais faire un marbrage différent. Je vais tenter un marbrage que je n'ai encore jamais fait sur des gros volumes comme ça. Tout simplement parce qu'en fait il nécessite de couper le savon dans l'autre sens, enfin je vous montrerai demain, donc du coup ça complexifie un petit peu la tâche. Je vais descendre pendant que tout ça est en train de se préparer, les beurres en train de fondre. Moi je vais refaire quelques pochons soins, donc c'est des pochons avec baume fouetté, baume à lèvres et savon miel parce qu'il n'y en a plus. Je vais refaire quelques emballages. Et puis quoi d'autre. Et puis j'ai une ou deux commandes à préparer, voilà, je vous emmène en bas avec moi. On a fini donc nos deux savons Lotus Bleu qui sont tranquillement au chaud là-dessous. Moi de mon côté, je vais fondre l'huile de babassou que j'ai là. C'est une huile comme l'huile de coco en fait qui est solide à température ambiante. Donc vous comprendrez que dans un bidon, c'est un peu galère quand on veut s'en servir. Donc en fait, je la
ben, je la fais fondre intégralement au bain-marie et puis je vais la mettre dans un seau, ce qui est bien plus pratique. Louane, de son côté, elle vous prépare des échantillons. Les échantillons que je glisse dans toutes vos commandes, comme vous le savez. Il y a toujours un ou deux échantillons en fonction de la quantité que j'ai. Alors, Louane, elle est en train de terminer l'étiquetage des deux derniers lots libérés cette semaine. Là, un jasmin tonka que je vais vous montrer parce que j'ai pas trop pris le temps de vous montrer les autres. Hop. Donc là, elle les a comptés et puis maintenant elle va faire toutes les étiquettes. Et puis après, il y a un savon flower également. Et ben ça y est, on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous emmener pour qu'on découvre ensemble nos deux savons Lotus Bleu d'hier dans l'édition limitée. Je profite de cette dernière journée de vlog pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Surtout de remettre de l'humain, de remettre de l'amour un petit peu dans cette vie complètement chamboulée que l'on a depuis 2 ans. Et tout ce que je peux vous souhaiter et vous passer comme message à travers ce petit vlog, c'est tellement dommage en fait qu'on soit au milieu d'une crise énorme. Et je ne parle pas de crise sanitaire, je parle de crise humaine. J'aimerais vraiment vous remettre un petit peu d'espoir dans le cœur et de chasser toute cette peur qu'on nous met dans la tête à longueur de temps pour qu'on retrouve chacun un petit peu l'essentiel de l'amour, de l'humain, de l'humanité, de la bienveillance qu'on se doit bien à soi-même et aux autres. Et de ne pas oublier ça, de vraiment remettre l'amour, l'humain, le social, enfin voilà, tout ça autour. Au cœur de nos vies, et qu'on chasse tout ce qui est nocif, tout ce qui est nuisible, tout ce qui est qui nous pollue, que ce soit la peur, la colère, le doute, voilà, tout ça. On chasse, on passe de bons moments avec ceux qu'on aime, on évite ceux qui nous envoient des mauvaises ondes. Et voilà, et je vous emmène dans cette dernière journée. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et bonne dernière journée. Alors ce matin, Louane termine d'étiqueter, de ranger le dernier lot qu'on a libéré cette semaine. Donc le flower, que voici. Je vous en montre un qui n'est pas encore étiqueté. Donc parfum fleur de frangipani avec des petites notes de pêche blanche. Et moi là, je vais commencer à démouler le savon Lotus Bleu.
bah, il est presque midi. Louane est en train de terminer parce que elle termine à midi le vendredi, cette chanceuse. Moi, il me reste cet après-midi et demain. Elle a fini de découper, débavurer tout ce lot-là. Pendant que moi, j'ai mis 3 fois plus de temps à faire le mien parce que cette édition limitée demande beaucoup plus de boulot parce qu'il faut ébavurer tous les angles. Et puis ça demande beaucoup plus de travail à découper comme vous avez pu voir. Et j'en ai gardé 4 petits pour vous montrer vraiment plus dans le détail bah, comment je les ébavure, ce que ça donne avant, après. Et également tamponné, donc je vous montre ça tout de suite. Terminer de préparer les commandes du jour. Maintenant, je suis en train de générer les étiquettes Colissimo sur le site de la poste, enfin sur mon module du site, et puis je vais évidemment les imprimer, les coller sur les colis, les emmener après déjeuner. Là, il va être bientôt 1h, donc je vais les déjeuner. Après déjeuner, j'irai emmener les colis à la poste, j'irai en même temps faire toutes mes courses, parce que comme demain, toute la journée, je suis à la savonnerie pour les dernières ventes de Noël, je ne pourrais pas faire mes courses, donc j'y vais cet après-midi. À mon retour, je finis de monter ce vlog que vous êtes en train de regarder et je vous le mets sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon moment, de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Bye.